en forme pour l'entraînement du jour. 19, cardio, boxing. Ah, 45 secondes de travail, 15 secondes de récup, 4 séries de 4 mouvements pour un total de 20 minutes. Maintenant tout de suite, les 4 mouvements du jour. Ah, c'est parti. Allez, go, 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 c'est parti. Pas besoin de matériel, juste de la place, tout autour de soi. Je sais que c'est pas évident, on l'a pas toujours. Attention, on est parti avec des katas. Ici à droite, et je lève le bras au-dessus de la tête. Et ça fait 1, 2 et 3. Allongez le bras droit, allongez le bras gauche, et levez le bras droit au-dessus de la tête. À gauche, on reprend. 1, 2 et 3. En option, on peut aussi accélérer. 1, 2 et on lève. Bas, haut, lève. Allez, encore. Au début, c'est un peu compliqué. Il faut le temps de s'apprivoiser le mouvement avec le mouvement. Mais après, comme il n'y en a que 3, ça le fait. Allongez la jambe et replacez le pilar par le soleil. Encore. Une fois, ok, on arrive en boxe. Attention, on va aussi rajouter des kicks. Direct, croisé, crochet et un kick latéral. On y va. Go. 1, 2, 3, deux fois. Posez le pied droit, allongez la jambe gauche et replacez le pied gauche. Devant. Ok, posez, allongez, replacez le pied droit devant. Pas, 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 pas. Allongez, allongez. On reprend, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche. Pose le pied gauche, allonge la jambe droite. Même chose à l'inverse. Pas, 1, 2, 3, pied droit derrière. Pas, pas. L'échauffement, prends le temps. Allez-y doucement. On se familiarise simplement avec le mouvement. C'est un peu complexe aujourd'hui. Pas mal de techniques. C'est normal si on n'y arrive pas sur les premiers mouvements, et après ça va le faire. Relâchez. Allez, on arrive maintenant sur 4 genoux, une marche et ensuite un kick avant. 4, 3, 2, 1. Marche, kick et recul. Genou gauche pour 4. Marchez. 1, 2, boum. Et on recule. Sur le 3. J'envoie les pieds en avant. 1, 2, 3. Et en arrière. On y va. 4, 3, 2. 1, 2, 3. Et on continue. Vous pouvez faire comme ça. Ou alors après, on rajoutera un saut. Si vous voulez, c'est une option. Une alternative. Choisissez la marche ou le saut. On a dit, c'est l'échauffement. On prend le temps. On peut commencer tranquille. Allez, 1, 2, 3, 4, marche et le petit kick. On relâche. Quatrième et dernière combinaison, on va récupérer un sabre que l'on a gardé dans notre doigt. 4, 3, kicker vers la gauche avec le pied droit. Kicker vers la droite avec la jambe droite. Ici, genou, genou et on se replace avec le sabre. 4 fois, kick à droite, kick à gauche, kick à droite, kick à gauche. 1 et 2. Encore, le coup de sabre. Tournez les talons. Envoyez la jambe 2 fois. Vers l'avant et ensuite de manière latérale. On vient pousser la tranche du pied vers l'extérieur. 3 et 4. Une fois. Puis 2 fois. On pose le pied gauche. On pose le pied droit.
un genou et deux genoux. Stop. On relâche. Ce sera l'option ça, l'option sauter. On retrouve notre première combinaison. On se souvient, pied large. Les katas. 1, 2, 3. Et je reste. Allons la jambe gauche. Fléchissez les deux jambes et bloquez votre adversaire en haut. Allongez. Allongez. Fléchissez la jambe haute. Encore. 1, 2. Possibilité d'accélérer. Maintenant. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gardez tout le corps contracté. Encore. 1, 2, stop. Encore. 1, 2, stop. Ici, les abdos sont vraiment contractés, mais tous les muscles du corps sont vraiment contractés. Bloquez à chaque fois. Marquez ton arrêt. Ok, on relâche. Direct, croisé, crochet, pas. Et le kick latéral, avec plus ou moins de hauteur. Les bras devant, les bouches derrière. À plat devant, on y va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pose le pied. Ouah. Même chose à gauche. Bam, bam, bam. On garde. Encore. Gauche, droite, gauche. Allongé, poussé. Et c'est parti. Encore. Visez avec le bras gauche pour aller chercher avec la tranche du pied gauche mon adversaire. Même chose à droite. Posez, kicker, revenez, passe. Stop. Les quatre genoux. Allez, on est chaud ou pas? Pied gauche devant, pied droit derrière. On lève les bras. Quatre genoux. 1, 2, 3, 4. Marche. Kick, pied gauche derrière. On reprend. Genou gauche. Il y en a 4. Pose. Allonge la jambe. Ici, on pense à allonger la cheville et fléchir les orteils pour stabiliser le genou. Comme on l'a dit précédemment, soit je marche, soit je saute. Kick sauter. Allez, choisissez. Et 4. Et on recule. Allez toujours à votre rythme. Ne dépassez pas. Wow. Dernier. Ok. Le sabre, il est dans le dos. Go. 1, 2, 3. Par ici. Pas. Pas. Par ici. Pas. Pas. 1, 2. On a dit pour les genoux, soit je saute, soit je reste au sol. 1, puis 2, 3, 2, 1, kick à gauche, kick à droite, kick à droite, kick à gauche, bas, bas, genoux alternés, on arrive. À la récup active. On continue avec des genoux alternés. On peut ici venir au sol ou décoller les pieds du sol en tirant les pieds en arrière. Vous pouvez aller boire. C'est le moment. Soit vous allez boire, soit on continue en récup active. On continue avec une intensité modérée. Car ensuite, on va rattaquer un nouveau bloc. Un nouveau bloc dans 20 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok, stop. Wouh. Pas. 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 1.
j'accélère. Vous pouvez accélérer dès maintenant. On va dire que c'est la récup ça. 1, 2, marquez le blocage. Tout le corps gainé. Tout le corps compact. On continue. Sur ses appuis. Allez, on continue. Ne tournez pas complètement vos articulations à chaque fois. Je garde une petite marge avant l'extension complète. On relâche. Prêt à pousser et à envoyer les pieds sur le côté. Allez, 5 secondes. 4, 3, 2, go. 1 et 2. Jambe gauche, même chose par ici. Prêt à envoyer le pied droit. Bah, et pas mal. Orientez bien votre orteil vers le sol. Et en même temps, à fléchir la cheville. Même chose par ici. Pause. Allonge et on y va ensemble. 1, 2, bah. Encore. Encore. On est presque, on est presque. Ouais. Stop. On relâche. Quatre genoux. Et en arrière. Allez, genou gauche. Engagez les bras. Ici, lancez le bras droit, puis ensuite, lancez le bras gauche au moment de poser le pied et au moment de l'impulsion. On reprend. Encore, à gauche. Pour 4, pose le pied gauche. Et accélérer la jambe droite. On y va. Et si on en faisait un de plus ici. Allez, le dernier. Et c'est bon. On récupère le sabre. Prêt à trancher. Kicker. Kicker. Sauter ou pas, genou droit, genou gauche et trancher, kicker, kicker, sauter pour les genoux ou rester au sol. Rapide ou pas? Allongez deux fois et levez. On y va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore. Super. Pas mal. De vrais guerriers. Montrez-moi votre visage un peu crispé et toujours déterminé. Deux fois. Une de plus. 1, 2, 3. Relâche. Bah, bah, bah. Rebondissez devant, derrière, devant, derrière. 4, 3, 2. Ensemble.
maintient le fessier ici. De la jambe que l'on avance. Encore. On frappe le poids devant, vise le nez de l'adversaire et ensuite, sur le côté, on frappe la tempe. Allez, on s'arrête pas, pied droit devant. Pa, 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 pa. Pause, allonge. Dernière fois à gauche, chop. Dernière fois à droite. Ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On relâche. Genou et kick. On se souvient, soit je marche, soit je saute. On part directement sur notre option la plus intense. Et c'est parti. Ah oui, on se donne à fond ensemble. On va le gagner ce combat. Et on s'arrêtera pas avant. On ne s'arrêtera pas avant. 1, 2, 3 et 4. La pulsion. Et repart en arrière. Une fois de chaque côté. Juste une fois de chaque côté. Les dernières secondes de l'entraînement, revenez en arrière. C'est pas fini. Genou droit, genou gauche. Pardon. On n'est pas fini, on n'est pas fini. Il reste le coup de sabre. Kicker. Kicker. Coup de pied à droite, coup de pied à gauche. Genou droit, genou gauche. Ha, 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 ha. Même avec le pied. Encore. Trancher. Trancher. Coup de pied. Coup de pied. Tranche avec le pied. Et on finit. On s'arrête pas. Genou droit, genou gauche. Allez, allez. Levez les mains au-dessus de la tête et ramenez les genoux devant. Allez, soufflez au moment de ramener la main vers la hanche. Est-ce qu'on a fini? Non, 35 secondes. Bien sûr, oui, on peut rester au sol. On reste au sol, on a la même intensité. On lève les bras, on accélère vers le bas et forcément ça monte aussi. Allez, allez. Les 10 dernières secondes. Et... Boum. Et voilà. Petit étirement. Et on aura fini. Comment on l'a senti? Bien, plutôt bien. Placez votre talon devant et étirez l'arrière de la jambe et de la cuisse. Pied gauche devant. Ah! On peut les remercier les cuisses. Merci les cuisses de nous avoir permis de kicker aussi bien. On étire l'intérieur maintenant. Maintenant, il ne reste plus qu'à en prendre soin. Hop, placez la jambe sur la cuisse. Petit travail d'équilibre en plus. Et on change. Allez, on étire bien les fessiers maintenant. Attrapez le même pied. Étirez le quadriceps. Bien engagé aussi. On change. Ce sera tout pour le bas du corps. On va étirer maintenant le haut du corps, resserrer les pieds. Ouvrez les bras et inspirez. Ah. Placez les mains au-dessus de la tête. Poussez vers le haut, contractez les fessiers, n'oubliez pas ça. Et on va pousser toujours les mains vers le haut
et on va s'incliner sur le côté. On fait légèrement le dos pour étirer les obliques, le dos. Très bien, grandissez-vous, grandissez-vous. On va venir relâcher le dos vers le bas, puis dérouler tout doucement tout en remontant. On enroule les épaules, répétez ça une deuxième fois, levez les bras. Inspirez, descendez, enroulez le dos, déroulez le dos, enroulez les épaules. On va étirer un petit peu les épaules. Et votre épaule. Ramenez les mains derrière le dos, poussez vers le sol, inclinez-vous sur l'avant. Enroulez les épaules. Et voilà, entraînement terminé. Madfit Team, bravo, l'entraînement du jour 19 est terminé. Je suis fier de toi, tu peux être fier de toi. J'espère que tu t'es fait plaisir sur cet entraînement de titan. On se retrouve demain pour l'entraînement du jour 20. Renfo, centre du corps et cardio. D'ici là, bonne récup, restons chez nous, bougeons chez nous. Allez, salut.